مقابلة كانت صعيبة وصحتهم من فريق اتحاد العاصمة كانوا أكثر إرادة صحتهم وإن شاء الله الخير يكون في المستقبل إن شاء الله وش نقول لهم نقول لهم يسمحوا لنا وإن شاء الله نخلفوا لهم في المباراة الجاية. Là, c'est vrai que j'ai démarré la saison titulaire et tout ça s'est bien passé. Je me suis blessé, ça fait partie du football. Le cas là, quand je suis revenu, c'est il y a 15 jours, le match de l'USMA sera bien pro. La logique des choses, elle veut qu'une équipe qui gagne, on ne la change pas dans le football. C'est normal. Donc, il faut être patient. C'est vrai que les staffs, dans les grands stages et surtout dans les terrains gazonnés, j'arrive à donner un plus par peut-être une qualité de passe qui peut faire la différence. C'est un choix après. Là, j'ai respecté le fait que je devais rester sur le banc parce que mes amis ils ont trouvé du travail et il faut accepter. Et le problème, ben, je ne peux pas tirer sur personne. On va tous travailler et il faut se remettre en question. Nous, on n'a pas changé de jeu. C'est ce que j'ai dit au début. Eux, ils ont changé. Donc nous, on aurait dû s'adapter, je pense, pendant le match, à leur fonctionnement. Parce que quand on les a battus il y a 15 jours, ils ont joué différemment. Peut-être que eux, en ayant étudié les failles justement il y a 15 jours, ils se sont mis dans un autre dispositif que nous, on aurait dû comprendre pendant le match. On aurait dû varier peut-être certaines choses. On n'a pas fait, ça c'est juste sur 90 minutes, c'est pas la fin du monde. Mais c'est vrai que c'est un défi. Il faut qu'on réfléchisse dorénavant à peut-être, on peut jouer 90 minutes, en jouant 20 minutes d'une façon, 20 minutes d'une autre et 45 minutes d'une autre. Il y a plusieurs systèmes dans le football, c'est élargi. Et je pense que des fois aussi, ça fait du bien de prendre une claque pour pouvoir se réveiller. Justement, c'est vrai que peut-être on était absent, c'est un derby. Et un derby, ça se joue dans les duels, dans l'entame du match, dans la gestion du match. نظن كنا قريبين كنا قريبين اتحاد العاصمة كانوا أحسن منا شوفوا النتيجة نظن هذا راجع إنه الأداء تاع الفريق تاعنا بصفة عامة كان ما كانش مستوى ماشي غير فاش قال أنا جو كوا كومونك ديفيكاسيتي دوفون هذا ما كان On manque d'efficacité, on n'a pas produit de jeu, on n'a pas de lâche, on a une force. Un derby, mais je connais le premier derby, je connais le premier derby. عندي قاعد فوق سرو نظن انه الشيء اللي صدر هو الاداء تاع الفريق اللي كان خارج النطاق حقيقة نشوفوا في فاسون جينيرال كي نشوفوا اللقاء نظن انه نشوفوا الاخطاء ما كناش متمركزين كما ينبغي سانسيرمون حنايا لازم نشوفوا ولا نشوفوا اللقاء شفنا اللقاء تاع الصوره ثم نشوفوا اللقاء تاع باش نشوفوا ريالمون كيسكي نا با فونكسيوني جو بونس سي فري فير خالد ا نو دو تروفي او جوار دو تروفي لا سوليسيون باسكو نو باسكو نا ترافاي سي تا ماتش دو فوتبول كي لعبنا خصنا اللقاء سي باكو اي با كونتينيا ترافاي انت تقول لي ميشيك مع الصاورا جو بونس با بيتيت ان سود ميشيك نقولو وي اون با ايتي بون مع الصاورا اوسي فصايبون ايكيب تاع الصاورا اوسي بون ابخي سي فري كو اون ا Le coach a reconduit la même équipe, c'est quelque part tout à fait normal. L'équipe a été épiée, il fait un terrain assez maritain dans la Tumbaha, il y a deux semaines. Bon, on respecte un peu le choix du coach, mais c'est comme ça. C'est pas la composante elle-même qui est je pense que l'aide, c'est le rendement des joueurs, mais c'est la composante. C'est le rendement, que ce soit individuel ou collectif. حنا تو دابور نشكرو الانصار تاعنا اللي جاو بقوة حتى اليوم مع الثورة واليوم في سطيف بون سي فري كو نقطة استفهام نلعبو بلا الجمهور نديرو نتيجة نلعبو بالجمهور ندوزو اكوتي نقطة استفهام سانسيرمون سي ان بوان دانتيروغاسيون اللي معاك خاطر حنا دابا يفو بيوشي بو تخوفي ان بو دو مان كرة قدم تلعب بالانصار إذا الأنصار ما تقدرش تلعب كرة قدم، هذا هو نقطة استفهام.
لما يكون عندك جمهور من الذهب مثل هذا عليك تمد الماكسيموم. هاك برك يكون الاداء مليح تقدر تخسر اللعبه برك الاداء يكون مردود يكون لاباس به وتمد الماكسيموم وتقدر تخسر اللعبه هذه هي مي نقطه استفهام تستعمل بوان دانتيغوغاسيون لا 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 aujourd'hui, je pense que ce qui nous manquait le plus, c'est plus d'engagement, plus de présence sur le terrain. C'est ce qui nous, je crois que ce qui nous a manqué aujourd'hui. Mais je dirais que nous, on travaille tous les jours pour trouver, je le redis, les bons remèdes. Quoi. Maïdan, on a reculé beaucoup. Sur les militaires internes, il a reculé, il s'est cantonné derrière, il s'est mis à défaire. C'est pour ça qu'il n'y avait pas d'alimentation le Goudam. On a vu des attaquants un peu isolés, ils ont échoué le Goudam, les trois. Hein. Donc il fallait les alimenter, il fallait de la percussion, il fallait les aider, il fallait se rapprocher beaucoup plus des attaquants. C'est ce qu'on n'a pas vu. Et puis la sortie d'Abou Bouda, ça a compliqué le jeu, ça a compliqué nos... ça a diminué de la partie. Voilà. Il a manqué beaucoup de choses. Beaucoup de choses, et notamment le jeu offensif. Notre milieu était cantonné trop derrière. On n'a pas su alimenter l'attaque, on n'a pas su aider, se rapprocher des attaquants, c'est ce qui manquait. Donc, c'est tout à fait logique qu'ils mettent couche très proche, le milieu met couche très proche des attaquants. Comment voulez-vous qu'on se crée des occasions, qu'on se crée des brèches pour passer cette défense. Qui arrive. Aujourd'hui meilleur que le match de championnat. Okay. Allah Ghalib, je suis vraiment déçu. Hein. Je suis déçu. Personnellement, je suis très déçu parce que moi personnellement je m'attendais à ce que je remporte ce titre. Mais Allah Ghalib, ma'andi shhad. Alhamdulillah, il fait du bien, elle arrive à temps. Vu que la semaine dernière on a perdu à Betna, il fallait qu'on se rattrape. Et on a perdu en championnat contre Mouloudia, surtout qu'aujourd'hui c'était un derby. Et on remercie les supporters qui sont venus nombreux. On leur dédie cette victoire à eux, le président et Barthez et Boudjemaa, sans oublier aussi. Bien sûr, il a fallu, juste pour, au moins pour les supporters qui. On les a déçus en championnat, on a perdu. Et aujourd'hui, on leur doit ça aujourd'hui. Regardez le public, comment ils sont contents. Alhamdoulilah, on est tous contents et Inch'Allah qu'on va continuer cette dynamique. Inch'Allah. Merci. Allah, Alhamdoulilah, tu as fait un super coup de Tafiokto contre le Mouloudia. Surtout les problèmes du sion vert, malgré qu'on est premier, avec l'affaire, il faut toujours les résultats, il faut toujours plus. On est là pour ça, pour travailler, pour progresser. On a déjà détruit l'ensemble des pouvoirs. Et d'ailleurs, les mensonges, il faut faire tout le jeu. On a mis tous les moyens à la disposition de l'équipe. Alhamdoulilah, la belle est dans le barat. بطولية وش هنقولكم عطيكم صحة ونادي الفوز هذا قال إدارة الاتحاد والزوج التالي مؤخرا في القفص الذهبي وكانت في الخير عليه عطيكم السنور ما خسرنا الدربي هذا كويكلو غطنا بزاف من أنصار غادزهم وجاو اللاعبين وقالوا لهم يا ودي فوالا فوالا الدربي لازم ترفعوه سوبر كوب لازم تجيبوها لنا ناديها لهم وإن شاء الله موعد هاد التيتر هذا باش الأنصار يعاودوا يقفوا مع الفريق تاعهم كي يكونوا ريزلتا ملاح وكي ما يكونوش ملاح يقعدوا مورانا باش نحققوا الاهداف ونحققوا البطولات ان شاء الله. الحمد لله خويا هذا الفوز كاع لي سيبورتور تاعنا وكاع لي يحبوا لي اسما وكاع لي يوقفوا مع هذا الفريق باش نقول لهم راه معنا هما الرجل رقم 12 في التيران اللي معنا ان شاء الله توجور يبقاو معنا هكذاك وراح نفرحوهم اكثر من هكذا ان شاء الله. نشكر فريق مولجيت على المقابله اللي داروها. الفريق صح كانت مقابله شويه صعيبه. اللاعبين قاموا بالواجب تاعهم حسيت بلي اللاعبين حبوا يربحوا المقابله هذه حبوا يربحوا الكاس هذا ان شاء الله نكملوا هكذا في الاتحاد جا فريق هذا العاصمه اسمه الاتحاد وبيني لازم نكونوا متحدين بيناتنا سواء اداره سواء لاعبين سواء سيبورتر ان شاء الله ما يدخلوش في وسطنا وان شاء الله نصلحوا الغلطات اللي قمنا بهم
باش نكونوا ان شاء الله على هوتيل اللي باش صافا ان شاء الله ما تكونش خطيره مع مدى التيب يا في هوني في الاستديو ان شاء الله ما تقطرش عليا ان شاء الله بعد عمليه ان شاء الله نرجع نرجع ان شاء الله الميدان ان شاء الله هذا عاصمة عندك مع رب الألقاب مع رب الكؤوس الحمد لله ما حقنا أسادة من الأنصار طوانا هذا كؤوس الحمد لله في فرحانين نشكرهم بزاف في سندنا اليوم أنا إن شاء الله ما خيبناهم مواسطة الشامبيونة حنا نسينا نلعبوا العتانة مع الوداد قيساوية ما كناش نلعبوا العتانة سي بو سا لي بوان On a décidé que le Brésil, c'est la bombe, mais la balade, c'est qu'on peut toujours avoir le côté de l'autre, qui m'a gagné la bombe. Alors, je serais même bien avec les rituels, même pour la bataille d'un effet de l'Ouest. C'est pour ça que le Brésil. Non, dans le monde, le championnat, personnellement, on a dit que la volonté est d'être la différence, on a gagné la Rina. Mais quand on a fait le championnat, on a décidé d'être le volontaire qui t'a mené. Alors j'ai la différence. C'est vrai que moi je prends moi le casse. Je prends moi là, c'est le boulot qui m'a la revanche d'un championnat. Alhamdoulilah, j'ai la revanche de mon tour de la casse. C'est vrai, il y a un peu de l'environnement. من ليس سو ماشاء الله ماشاء الله الجوار ماشي بحال الروطاينر سي بالك انه معنا عندنا مدينه ديال الكونسي وحنا لي جوار حنا اللي ديسيدينا باش نجيبو الوظيفه الحمد لله حنا مازالش تاني مدة كان لي سوا كان سوا لي تاني داروا بون ماتش قالنا البلاطه كانت فيه تري جو في ريبيتي سكو جي تولور سي سو ماتش لا دو توتي فاسون Si les gens étaient venus au stade pour avoir du beau jeu, il fallait rester à la maison parce qu'on savait pertinemment que ça allait jouer vraiment avec le cœur. Donc, l'USMA a répondu dans ce sens-là. Aujourd'hui, je vois évoluer l'équipe de l'USMA, l'équipe première depuis le début du championnat. J'avais constaté qu'il y avait quand même du bon jeu. C'est une équipe qui joue au ballon. L'USMA joue au ballon. Elle a un jeu de conservation du ballon, elle a un jeu de passe-court, contrairement à beaucoup d'équipes en Algérie qui jouent direct, jeu long. Et j'ai découvert l'aspect mental de cette équipe contre le CRB. J'ai dit, cette équipe est jouée en ballon, mais elle a aussi des ressources mentales pour se rehausser au niveau. Et ce soir, il n'a pas fait grand-chose. Tout ce qui s'est mis en eux s'est réveillé pour ce match-là. Et on avait un avantage par rapport au Moudou Gazagé, c'est qu'on a perdu le premier match. Donc nous étions des outsiders. Donc on n'avait rien à perdre. Donc quand on a tout ça, on joue plus libre. Et l'équipe a montré vraiment un visage de solidarité, de combativité et surtout d'humilité. Vous savez, il y a deux solutions. La première solution, on a une défaite, on plonge et là, on ne s'arrête pas de descendre. La deuxième, c'est de prendre les avantages, les points positifs d'une défaite. Il y a des références, quand on veut faire quelque chose de bien, on prend toujours des références. Et quand on a fait des choses pas bien, on peut toujours prendre la référence de la vérité. Donc nous, on a allié les deux choses. Et donc aujourd'hui, on sait où on est. On a une équipe qui vit bien ensemble, qui se découvre au fil du temps. Et je pense que c'est une équipe qui va être très loin. Moi, l'équipe, ça fait 2-3 jours. Tout le travail qui a été fait depuis le début de la saison par ce cavalier, il y a quelque chose quand même. Parce que, je vous dis tout à l'heure, le coup d'humilité, c'est pas nous qui avons changé les choses. C'est-à-dire qu'il y a eu un réveil, un sursaut d'orgueil chez nos joueurs. Il y a un travail qui se fait quand même, parce que je les vois s'entraîner tous les jours, et ce que je vois, ce qu'ils produisent dans cet entraînement et ce qu'ils produisent en match, c'est la répétition des entraînements. Je pense qu'aujourd'hui, il y avait vraiment une envie de prouver au public, au président, aux supporters, à leur famille, que le match qu'on a fait, le match aller, c'est un accident. Et là, il y a un autre sens. Donc c'est plus une volonté du cœur et de l'envie. C'est une professionnelle.
professionnels, ils sont à des postes bien précis, certes, mais ils ont aussi une avance. Donc c'est sûr que de perdre ce joueur-là, ça me fait beaucoup de mal, mais derrière, il y a quand même des joueurs qui sont préparés à jouer sur un, voire deux postes, donc à permuter s'il y a besoin. Donc on a pu répondre directement à un changement par rapport à cette question. Sur vous êtes à l'USPA, l'USPA, il faut tout gagner. Et puis il faut gagner avec le panache. Sinon, même si vous gagnez, il n'y a pas le panache, il y a toujours des choses à dire. Bon, ben, c'est comme ça, on fait, c'est un choix. Quand on décide de venir dans ce club-là, on accepte toutes ces contraintes. Sinon, on reste à la maison. Donc, dans notre métier d'entraîneur, c'est aussi ça qui fait qu'on aime se lever tous les matins, aller à l'entraînement, subir la pression, pour toujours, toujours apporter son savoir, évoluer ensemble, avec le groupe, soi-même. Donc, personnellement, on a l'impression que je ne veux pas. Si c'est une bonne pression, ça vaut le coup de la vivre. Maintenant, pour ma part, je suis là en intérim, parce que je suis détenu du club, et qu'il fallait répondre à une situation d'urgence. Moi, ma pression, elle est de former les jeunes, de former les entraîneurs, donc je me sens très à l'aise, et puis s'il y a besoin de moi, ben, je suis toujours là. Honnêtement, j'évacue et j'accepte la bonne pression. Très belle victoire. Vérité. Un grand match de l'histoire. On m'a fait le non, c'est pas la physionomie du match championnat. Champion, on a joué à huis clos. Il n'y a pas de public. Le charme au football, c'est le public. Ils sont formidables. Ils sont toujours derrière l'équipe. Je leur dis, ça c'est partout à eux. Vive l'histoire. يعني الانتصار هذا انتصار مستحق نقدروا نفوزوا عليهم باربعه مي الحمد لله حنا ليسونسييل سي لا فيكتوار اون ا غاني امبلومون جو ريمارسي لي جوور كي سون دوني افون يعني في هذه المناسبه تاع اول نوفمبر اعطيهم الصحه ويعطيهم الصحه كاع الطاقم التقني والفني يعني لو الطاقم تاع الاطباء ويحيى بارتاز اللي وقف معنا هذا مع لي جوار الى موتيفي لي جوار الحمد لله ولا غاني سو تروفي ان شاء الله يكونوا دوتر تروفي مستقبل حنا نعملوا توجور كاش نقولوا في نافونسيو توجور ان شاء الله المدرب الجديد يجيب يعني يجيب ان توش ولا ان بلوس بور ليكيب وان شاء الله المناصرين يقعدوا توجور اوفياء ودارير الفريق ما يسمعوش كاين كلكو بيرسون اللي راهم يديروا المشاكل يعني في اتحاد العاصمه ما في اي مشكل كل شيء يمشي على ما يرام والحمد لله وننطب المناصرين يعني نهدي لهم هذا الكاس ديجا وان شاء الله يكونوا مسعود اخرين نقول لهم وقفوا توجور ديريال الفريق تاعكم ما تخليوش الناس يدخلوا بيناتكم ان شاء الله نصر الدين ان شاء الله يرجع علينا بخير ان شاء الله جيسبر كو لابليسيور تاعو ما تكونش ميشون ان شاء الله يبرى